La seule chose qui me plaît, bon yen no mama wende, c'est ta foi. Ya fotema. Pourquoi? Quand il dit ça, pourquoi? Les gens disent, ah, oui. C'est l'amour, c'est la sainteté. Mais je vous pose la question. Comment pouvez-vous manifester l'amour et la sainteté sans la foi? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? La Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour excuse tout. Vous avez déjà pu tout excuser. C'est par la foi qu'on excuse. C'est par la foi qu'on pardonne. Pour moi, où tu pardonnes là, tous tes sentiments sont négatifs. Au moment où tu veux pardonner, tous tes sentiments là sont à l'opposé. C'est par la foi qu'on pardonne. C'est par la foi qu'on aime. C'est pas la foi qu'on obtient les choses. C'est pourquoi pendant 65 ans, Enoch a marché sans foi. Il marchait par la vue. Il regardait ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était là. Mais il ne pouvait pas pénétrer. Il regardait de loin. Jusqu'au jour où son fils Métishélak est né. Quand il est né, un événement s'est passé dans la vie d'Enoch. La vie d'Enoch a changé. Et pendant 300 ans maintenant, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Et avant d'être enlevé, Dieu dit à Enoch, tu me plais. Qu'est-ce qu'il y a plus à Dieu dans Enoch? C'est sa foi. Et c'est pourquoi le verset 5 et le verset 6 de Hébreux ont dit, quand il a fini avec Enoch, la Bible dit maintenant que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Écoutez très bien. C'est la foi qui m'amène à vivre dans la sainteté. Frère, tu vas inventer une sainteté religieuse. Tu vas inventer des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors cette année, allons pas à pas et écoutons pendant quelques temps seulement, mais après, la foi en action, ce n'est pas un enseignement que nous allons faire. Mais c'est des pratiques que nous devons avoir cette année. On dit la foi en action. Je ne passerai pas mon temps à vous enseigner la foi. Nous allons faire des exercices pratiques de foi dans votre propre vie. C'est oui, ça, la foi en action. Que ça soit dans l'évangélisation, que ça soit dans tout ce qui c'est par la foi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, donc le Dieu de foi, et nous devons le connaître, le Dieu de foi. La foi n'est pas un élément naturel, frère. C'est beaucoup de gens, des siècles, des générations sont passées, les gens luttent pour avoir la foi, comme si c'était une affaire terrestre. Regardons même déjà dans Hébreux 12, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Quand il a fini de parler des héros de la foi dans Hébreux 11, Dieu nous dit maintenant que ces témoins de la foi là, dans l'Ancien Testament, ne pouvaient pas parvenir à la perfection, la foi parfaite sans nous. Et il commence maintenant, Hébreux 12, verset 1 et 2, il nous parle de l'auteur de la foi. Et il nous dit que d'avoir les regards sur qui? Ayant les regards sur Jésus, à Jésus, l'auteur et l'accomplisseur de la foi. Ou bien, dans d'autres versions, le chef et le consommateur de la foi. Donc, si la foi a un auteur, et ce que ça veut dire que lui-même, il est le Dieu de la foi. Écoutez, Dieu ne nous a pas donné des choses, Dieu n'a pas des choses, Dieu est, Dieu n'a pas. Le problème, c'est que nous ne savons pas notre identité,
si nous ne connaissons pas l'identité de Dieu, c'est, nous voulons des choses avec Dieu. Dieu est d'abord amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Dieu est saint. Dieu est puissant. Dieu n'a pas de puissance. Dieu est lumière. Est-ce que nous comprenons? Dieu n'a pas de lumière. Vous voulez des choses chez Dieu. Vous voulez. Dieu n'est pas un magasin. Il est une source. C'est important. C'est pourquoi, si vous ne connaissez pas l'identité de Dieu, et si vous ne vous identifiez pas, c'est Dieu-là vous-même, vous serez un homme malheureux. À chaque fois, vous allez demander, Dieu est amour. Que vous l'aimez ou pas, il est amour. Il n'a pas besoin de votre amour pour qu'il soit amour. Est-ce que vous comprenez? Parfois, dire, ah, je n'aime pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre amour. Prête amour. Il est déjà quoi? Amour. Est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre. Dieu est lumière. Il est lumière. Il n'a pas de lumière. Frère, le problème, c'est que vous voulez quelque chose chez Dieu sans Dieu lui-même. Ça ne marche pas. Si vous obtenez quelque chose chez Dieu, sans lui-même, vous allez donner droit à qui? Dès que vous aurez la chose, vous allez faire quoi? Vous allez donner à Dieu. Dieu est lumière. Alors, Hébreux 12, 2 nous dit que Jésus est l'auteur. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais la Bible dit que Jésus vient de qui? Du Père. Il vient du Père. Alors, si Jésus, qui était sur la terre, est l'auteur et le consommateur de la foi, là où il vient là, le Père là est quoi? L'auteur de la foi, c'est qui? C'est le Père lui-même. La foi n'est pas une affaire terrestre. Donc, la foi n'est pas un sentiment. La foi n'est pas des sensations. Ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est que dès votre enfant, on vous a dit la foi catholique, la foi protestante. Ça, c'est du faux. Il n'y a pas de foi catholique, il n'y a pas de foi protestante, ni de foi musulmane. Dieu est l'auteur de la foi. Il est la foi. On vous dit des croyances catholiques, des croyances protestantes. Oui, mais pas de foi. La foi, elle est liée à un seul, c'est Dieu. Écoutez. Éphésiens 2, verset 8. Lisons. Nous sommes notre premier dimanche de 2009. Et le mardi prochain, nous commençons le séminaire Arbre de vie. Donc de l'année 2009. Donc Éphésiens 2, verset 8, lis-le. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Continue. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de qui? C'est le don de Dieu. Donc, ce que Dieu est, c'est ce qu'il nous donne. Dieu est amour. Il nous donne l'amour. Dieu est lumière. Il nous donne sa lumière. Dieu est saint. Il nous communique sa sainteté. Donc c'est un don. Toutes ces choses-là ne sont que des dons de Dieu. Tu ne les mérites pas. Donc frère, n'essaie pas de lutter pour avoir la foi. Tu vas l'obtenir où? Comment tu vas l'obtenir? Quand le verset que tu as lu là, que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu là. Qui est la parole? La parole était avec qui? La parole était qui? Donc, ensuite, tu peux lire Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3.
tous les faibles dans la foi, là, on va voir aujourd'hui, vous dites que vous êtes faible dans la foi, et vous allez vous rendre compte que, mais au contraire, vous êtes qualifié pour faire beaucoup de grandes choses. Ce sont les faibles à foi qui sont qualifiés. Il y a des idées préconçues que nous avons emmagasinées et qui nous créent des problèmes. C'est que le problème, quand un homme de Dieu prêche, vous ne regardez pas la parole de Dieu. Vous regardez ce qu'il dit. Alors, il y a des hommes de Dieu qui sont des menteurs. Ils ne disent que des mensonges qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et vous dites amen, amen, amen. Si vous dites amen, vous avez des problèmes. La Bible est là pour vérifier. Le grand Paul est parti en Bérée. Les Bérées ont dit à toi Paul, on va vérifier. Si Jésus est Seigneur, Jésus est le Messie là. Montre-nous dans les Écritures. Je ne dois pas venir vous enseigner mes expériences. Non, frère. Mes expériences peuvent aujourd'hui, j'expérimente le froid. Demain, j'expérimente la chaleur. Alors, si je dois vous enseigner mes expériences. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est comme ça, il fait froid. Demain, il fait chaud. Comment vous serez établi. Vous êtes établi sur mes sentiments. Vous êtes établi sur mes sensations. On ne marche pas avec Dieu selon les sentiments et les sensations. Combien de fois vous avez cru que vous avez la foi cette fois-ci là? Vous êtes convaincu que vous avez la foi et quand vous êtes parti, rien ne s'est passé. Non, la foi. La foi agit toujours. La foi n'est pas sentimentale. Déjà, on quittait Léo pour venir me voir. Ils ont dit la foi. Ils sont venus. Ils sont arrivés chez moi. On dit, j'ai voyagé. Est-ce qu'ils avaient la foi? Ils étaient convaincus. Sentimentalement, ils étaient convaincus que je suis là. Réfléchissez très bien. Ce que vous appelez la foi, là, c'est pas la foi. Hein. On va le voir. Dieu, le Seigneur m'a dit, le problème, c'est que mes enfants souffrent par manque de connaissances et de révélations. Donc, Romains 12, verset 3 nous dit, lis-le aussi, c'est par la grâce qui m'a été donnée. Toujours, vous voyez, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Si la foi se gagnait par des actes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras quoi? Orgueilleux. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Lis la suite. Mais de revêtir des sentiments modestes. Des sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Selon, pas une mesure de foi, la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Vous ne pouvez pas accuser Dieu de dire que vous n'avez pas la foi. Dieu a départi. Personne ici, ni dans le monde, dans aucun pays, aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a pas la foi. Dieu a déjà départi la même mesure de foi en Jésus, en Paul, en tout, quand il était sur la terre pour accueillir. Écoutez, frère. Donc, ces trois passages nous montrent que la foi est liée à Dieu. Il est l'auteur de la foi. Il donne la foi. Non pas selon nos mérites. C'est un don divin que Dieu donne à son peuple. Parce qu'il sait que le juste vivra par quoi? Le juste va opérer par quoi? Le juste va fonctionner sur la terre par quoi? Le juste va entretenir ses relations avec Dieu par quoi? Alors, je pose la question. Si vous enlevez la foi, viens là. Si vous enlevez la foi, voici Dieu. Voici le juste. Comprenez?
dis je crois en Dieu là, ça ne suffit pas. Dieu dit le juste vivra par la foi. Il marchera avec Dieu par la foi. Il prendra les choses de Dieu par la foi. Dans mon corps naturel, mon bras représente la foi. Donc tout ce que Dieu a déjà, tout ce que cet homme-là veut me donner, c'est par la foi que je prends, par mon bras. Mais si je n'ai pas de bras, je prends comment? Ou bien si j'ai un bras, comment il me tend? Je ne tends pas mon bras. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es saint. Prends ta Bible. Je sais que tu es saint. Il me tend tout ça. Tout est en lui, il me tend. Oui, j'ai confiance en toi. Oh Seigneur, je crois. Tu es si bon et si merveilleux. La seule chose que Dieu veut, c'est que je tende ma main et que je prenne possession. Dieu ne te demande pas d'inventer. Dieu n'a pas dit d'inventer cette Bible-là. Cette Bible existe déjà. On me demande de tendre ma main pour la prendre. Vous ne pouvez pas inventer des choses. La guérison est déjà dans les mains de Dieu. La bénédiction est chez Dieu. La prospérité est chez Dieu. Dieu te dit, tends ta main, prends possession. Dieu ne te demande pas d'aller gêner pour inventer ces choses-là. Dieu a fini. La foi est la clé qui fait fonctionner le royaume. C'est pourquoi Dieu dit, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Alors, si la foi était compliquée, donc, Dieu, il me crée des problèmes. Mais il me dit que c'est impossible de lui plaire sans la foi. Et je ne sais pas qu'est-ce que la foi. Je ne sais pas qui me donne la foi. Non, en ce moment, c'est Dieu là. Il me dit tu es injuste. Non, toi, il n'a qu'à m'envoyer en enfer. J'ai pas peur. Parce que là, il est juste. Il me dit de faire quelque chose qui ne me donne pas. Je vais faire comment? Qu'est-ce que la foi? D'où vient la foi? Qui me donne la foi? Je ne sais pas. On me dit de vivre par la foi. Réfléchissez vous-même. Alors comment pouvez-vous vivre par la foi? Si vous ne savez même pas qu'est-ce que la foi. Vous ne savez même pas. Comment Dieu va vous demander? Comment vous allez demander à votre enfant de faire des choses si vous n'avez pas expliqué à votre enfant comment ça fonctionne? C'est le problème. Mon frère, merci. Donc, Dieu est le Dieu de la foi. Nous allons voir, on a vu ça à l'introduction l'autre jour, mais comme nous sommes à notre premier dimanche, je reprends ce que j'ai développé un peu à la veillée. Alors, Dieu, donc, si Dieu est le Dieu de la foi, lui-même il agit par quoi? Par la foi. Alors qu'est-ce que cette foi-là? Là, on parle de ça, tout le monde dit, ayez la foi, parlez la foi. Mais donc, retournons au commencement pour voir. Regardez au commencement comment les choses ont commencé. N'oubliez pas, frère. Genèse 1. Genèse 2. Non? Écoutez. Genèse 1 et Genèse 2 sont les seuls passage réel de toute la Bible. Genèse 1. Je n'ai pas de vrai, hein? Réel. Écoutez, réfléchissez. Genèse 1 et 2. Il y avait le péché. Hein? Il y avait l'incrédulité. Il y avait la prière. Il y avait le jeûne. Il y avait la maladie. Genèse 3. Genèse 3 est le commencement des problèmes de l'homme. Depuis Genèse 3, ce qui est dans l'Apocalypse maintenant, c'est les problèmes. Quand Jésus va revenir, il va reconnecter avec Genèse 2 encore. Genèse 3, où Exode, tout ça sera balayé, jusqu'à l'Apocalypse, ce sera balayé. Le Adam que Dieu voulait faire sur la terre, là, la terre va redevenir comme au Adam, avant comme au temps d'Adam. Donc, si vous voulez comprendre les choses, retournez pour voir comment Dieu a opéré. Le Dieu de la foi, comment il a opéré au commencement.
Puisque Dieu dit, regardons même l'Ancien Testament. Dieu dit que tout, la loi a été donnée, non pas parce que Dieu veut. La loi a été donnée parce que les gens ne voulaient pas. La loi a été donnée pour montrer à l'homme qu'il ne peut rien faire. La loi a été donnée, Dieu a donné volontairement la loi pour que toi et moi, tu saches que tu ne peux rien faire. La loi n'a pas été faite pour être obéi. Personne. Elle a été donnée pour montrer que l'homme naturel, sans Dieu, ne peut rien faire. C'est ça qui choque les gens. C'est ça la révélation de Dieu. La loi n'a pas été donnée pour être obéi. Personne n'a pas été obéi. Quand on dit ça, on dit, ah, on va affaiblir. On n'affaiblit pas l'évangile. Écoute-moi. Comment Adam et Ève ont fait sans la loi, sans les 10 commandements là? Comment ils ont fait pour vivre avec Dieu? Quel commandement j'avais? Quel commandement? Tu ne mentiras pas? Est-ce qu'Adam connaissait ça? Adam l'a miré là. Hein? Adam l'a miré. Tu ne voleras pas, s'il connaissait ça. Adam miré. Il dit que la loi a été donnée pour montrer à l'homme son incapacité d'obéir à Dieu. Elle a été donnée comme pédagogue pour nous enseigner que l'homme dans la chair est incapable d'obéir à un Dieu esprit. Et il a été donné pour un temps. Quand le temps est venu, Dieu l'a balayé. Et maintenant, au temps d'Adam, tout était écrit dans le cœur d'Adam. Rien n'était écrit au dehors. Tout était écrit à l'intérieur d'Adam. Quand Jésus venait, il était la parole. Il était la parole incarnée qui s'est promenée. Jésus a parlé des 10 commandements. Jésus a entendu là. Hein? Frère, il faut comprendre là. Ce qui fait la misère des chrétiens, c'est qu'ils veulent obéir à ce que personne n'a pu obéir. Il y a un seul qui a pu, c'est Jésus. Et ils veulent forcer d'obéir à ça. Non, ça commande. Et ça nous crée problème. Les légalistes disent, ah, mais si vous enlevez les 10 commandements, les gens ne vont pas vivre. Les Moïse avaient ça, ils n'ont pas vécu. T'entends? Au temps de Moïse, personne, le grand Moïse n'a pu obéir personne aux 10 commandements. Personne. Et c'est pas toi qui vas le faire obéir. Vous êtes choqué, hein? Vous êtes légaliste. Il n'y a pas un d'entre vous ici, là, ni moi, qui peut obéir aux 10 commandements. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Si on reste à cet élément négatif là, on va dire, ah, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Il y a un seul qui est venu, qui a obéi à ça, qui a appliqué. Et maintenant, il est venu demeurer en nous. L'accomplisseur de la loi là est venu demeurer en nous. Par son Esprit Saint, il nous conduit. Ok. Non, n'essaie pas naturellement d'obéir à Dieu. C'est pourquoi la foi plaît à Dieu. Regardons. Donc, dans ce passage, dans Genèse là, avant d'arriver à Genèse, lisons Romains 4, et puis mettez votre main dans Genèse, lisons Romains 4, verset 17. On est en train de débroussailler parce qu'on va commencer le séminaire le mardi, mais comme vous êtes là ce premier dimanche, je débroussaille un peu pour vous. Romains 4, verset 17. Regardez ce que Dieu dit. Quand Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, et Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles. Dieu appelle à l'existence quoi? Les choses qui. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Les choses qui n'existent pas. Dieu les appelle. Quand on dit appel, ça veut dire quoi? Il fait quoi? Il parle. On n'a pas dit qu'il fait. Il appelle à l'existence. Comprenez le mot.
Dieu, il appelle à l'existence. Dieu n'a pas fait la terre avec sa main. Les matériaux. Dieu n'est pas maçon. Dieu n'a pas pris la brique ici. Il n'a pas pris des matériaux ici. Et puis il s'est arrêté. Il a fait. La Bible dit dans ce passage-là que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le mot exister est un mot relatif à la matière. Parce que Dieu n'existait pas. Dieu est. Donc, comment alors, Paul, c'est pourquoi Paul a compris. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voyons, Paul a compris la foi de Dieu. Comment Dieu agit. Retournons dans Genèse 1 pour voir ce que Paul dit là, si c'est vrai ou pas. Genèse 1 et à partir du verset. Le verset 1, il a laissé les deux côtés. Le verset 1, le chapeau, c'est le chapeau, c'est pas. Verset Yemra. Le chapeau. C'est pour te dire que Dieu est l'origine, à l'origine de tout. Quand on dit au commencement, Dieu créa, là, ça veut dire que il est au commencement de tout. Il n'y a rien qui a été fait sans lui. C'est simplement ça. Verset 2 maintenant. Lis le verset 2. La terre était informe et vide. Mm-hmm. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mm-hmm. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a trois choses ici que nous voyons, frère. Parfois, si vous connaissez l'hébreu, il faut retourner dans la Bible juive. La Bible juive, même, mm-hmm. retourner là-dedans. Parce que La mentalité juive et grecque est totalement différente de la mentalité occidentale. Bah, les juifs parce que les occidentaux, les africains, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas qui est Dieu. Il n'y a que les hébreux qui l'ont connu. Donc les mots qu'ils utilisent là sont totalement différents de nos mots scientifiques et rationnels. C'est important que vous compreniez. Pourquoi Dieu utilise ces deux langues-là? Dieu, le chapeau dit, Dieu créa. Donc Dieu est quoi? Créateur. Ah, Dieu n'est pas fabricant. Les fabricants rassemblent quoi? Les inventeurs rassemblent quoi? Les choses qui existent déjà. Si vous comprenez ça, votre vie chrétienne, votre ministère va changer. Nous opérons dans le surnaturel et non pas dans le naturel. Frère, le surnaturel, le miracle, ce n'est pas obligatoirement ce que vous regardez à la télévision avec des guérisons miracles. C'est-à-dire qu'un chrétien peut ne pas voir ces grands miracles dont on parle à la télévision là, mais qui vit le miraculeux tous les jours. La vie bombane, vous voyez. Je préfère vivre le miraculeux tous les jours que de temps en temps guérir un aveugle ici, ouvrir les yeux. Et toi-même, tu n'es pas dans le miraculeux, tu es pauvre, tu es misérable. Tu peux admirer ces grands miracles là. Mais quand tu arrives chez toi, tu as des problèmes simples que tu ne peux pas résoudre. Le miraculeux, c'est le père des enfants de Dieu. C'est ce qui est normal chez les enfants de Dieu. Donc, tu vois, ça c'est très important. Dieu créa. Créer, c'est toujours à partir du zéro matériel. Mais à partir des substances de quoi? Si c'est le zéro matériel, mais dans le monde spirituel, ces choses à la fois existent déjà. Il appelle à l'existence. Il appelle à la visibilité. Ce qui est quoi? Invisible. Ce qui est invisible là, c'est ça que Dieu appelle. Pour que ça soit quoi? Visible. Donc, ta vie, la vie chrétienne, c'est quoi?
Le chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un? Nitera. Les choses invisibles sont réelles. Yé, on appelle le royaume des cieux. Ces choses-là existent dans le royaume des cieux déjà. Il dit le royaume des cieux, c'est l'amour, la joie, la paix, la puissance. Tout est dans le royaume des cieux. Mais aux yeux des hommes, c'est quoi? Invisible. Le chrétien s'arrête comme son père. Il appelle à l'existence les choses qui sont chez Dieu. Là. Il les appelle et les choses deviennent visibles. Ah, j'ai aimé le témoignage de notre frère Taximan la nuit de Tanzanie. Voilà, je l'ai vu ce matin. Un homme, le lit est posé, il parle au lit. Il dit lit. Tu n'as pas été fabriqué. Un lit, le lit d'un couple, tu n'as pas été fabriqué. Pour rien. C'est pourquoi les enfants urinent sur toi. Le lit a entendu oui ou non? Appelez les choses. Alléluia. Frère. Babizi. Oui. Taximan, c'est Kabako. Taximan, c'est un homme. C'est pourquoi il passe partout. Donc il a mis. Est-ce qu'il résonne? Les taximans de la ville, vous les voyez, non? Si c'était un homme qui a 4x4, si je rentre ici, je vais cabosser ma 4x4. Taximan, sa voiture est déjà cabossée. Il rentre partout. Amen. Amen. Voilà. Dieu créa. Mais si tu crées, tu crées avec quoi? Même prenez simplement l'architecte là, L'architecte est celui, le métier d'architecte est celui qui ressemble le plus à ce que Dieu fait. Dans tout le travail du monde là, c'est le travail d'architecte là, qui ressemble un peu plus. C'est pourquoi on appelle Dieu même l'architecte. Qu'est-ce qu'un architecte? Ce bâtiment existait où? Dans la pensée de l'architecte, dans son être intérieur. Et il a dit à son dessinateur, il l'a dessiné. Oui ou non? L'architecte, c'est quoi? Ce sont ceux qui inventent les voitures. Ce sont ceux qui font les maisons. L'architecte, c'est ça. Mais ça est où d'abord? En eux. Et ils ont amené ça à quoi? À l'existence. Ils ont amené à l'existence. Quand Ford a voulu créer sa voiture populaire, il a demandé à ses techniciens, ses ingénieurs, il les a réunis. Ah, monsieur Ford, on a demandé mobile, la technicien imagine quoi. Lui veut telle voiture. Les ingénieurs sont assis. Ingénieurs imagine. Ils ont des chefs. Ni la nava. On a fait tout les. On a tout, c'est pas possible. Ford a dit. C'est que lui il voit. C'est possible. Lui ne peut rien voir sans que ça ne passe dans le possible. Ils sont repartis, ils ont travaillé, ils sont revenus découragés. Il leur a dit ce que je vous ai dit là. Parlez. Et un jour, les ingénieurs sont assis. Le patron nous fatigue. Il nous fatigue. Mais ce qui est dans le mental existe dans le réel. Et la voiture est sortie. En 1960, le président Kennedy dit, il faut que les Américains aillent à la Lune. Tu vois, un politicien qui s'assoit, il n'est pas technicien, il n'est pas savant. Il dit qu'on va aller à la Lune. Il appelle un des grands ingénieurs américains. Il dit, sous mon mandat là, on doit aller à la Lune. Le truc est sorti, il a regardé la Lune. Il est parti, il a rassemblé les éléments. Il est venu voir le président Kennedy. Et il dit, il y a 300 obstacles
qui vont nous empêcher d'aller à la lune. Kennedy ne dit pas obstacle, dit à 300 opportunités pour aller à la lune. Les négatifs disent obstacle, les positifs disent quoi? Opportunité. Chaque problème est une opportunité. Pas un obstacle. Hein? Il les a éliminés, les messieurs. Il a travaillé. Il est parti en Angleterre. Tous ceux qui font les moteurs. Parce que rassembler les éléments d'une fusée, il a pris des gens partout. Ceux qui font alliance des métaux. Parce que le fer ne peut pas traverser ça à la pied aller à la lune. Il faut des métaux spéciaux. On a mis tous ceux qui font les mines là. Ils sont venus jusqu'en Afrique. Du coup, Congo là. Congo, hein. Congo et Kinshasa là. Congo, Kinshasa. Ils sont venus prendre des matériaux spéciaux. Et un jour, il restait deux obstacles. Il est allé voir le président. Le président dit, mais il faut ta ligne là. Il faut prendre ton bic là, barrer ça. Rick faut bic là. Tu as déjà vaincu 298. C'est pas deux qui ne peuvent pas vaincre. Comme si le la fusée est devenue réelle, oui ou non? Pas yibou, fusée par où? C'est ça. Vous entendez? Il ne faut pas vous arrêter à des choses, à des obstacles. Dieu créa. Quand il a voulu créer, Dieu a eu ses obstacles. Comment papa a vaincu ses obstacles? Quel était l'obstacle de papa? Les ténèbres. Non, alors, verset 2 seulement. C'est verset tout. 2. Hein? Dieu dit. Verset 2. La terre était informe et vide. Ah, et... premièrement, la terre était quoi? Informe et vide. Hey, le grec, l'hébreu dit tohu bohu. L'hébreu était tohu bohu. C'est ça qu'on a, les gens utilisent tohu bohu. Tohu bohu. Tout était tohu bohu. Boum, vara tohu bohu. C'est ça le terme, informe et vide, dans la Bible, en hébreu. Ne hébreu, n'amba bon, n'amse bon. Donc la terre est tohu bohu. T'es un gang là, tohu bohu. Ta vie est quoi? Tohu bohu. Tohu bohu. Mais c'est un problème. L'ingéwa yéne wen là. Ta vie n'est pas un problème. Faut vous pas le tohu bohu de ta vie n'est pas un problème. Faut vous tohu bohu, pas si tu sais opérer comme Dieu opère. Bon, ça c'est le premier obstacle. Deuxième obstacle. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ah. Uh-huh. Il y avait maintenant quoi de? Likendabe, Pidlonga. Mais est-ce qu'on a dit qu'il y avait la nuit? Il y avait la nuit. Est-ce qu'on a parlé d'obscurité? On parle de quoi? Ténèbres. Donc, il y avait une identité déjà qui contrôlait quoi? Les ténèbres sont liées à qui? À qui? Mais est-ce que Satan était déjà créé avant la terre là, oui ou non? Mais il avait déjà fait quoi? Il avait déjà fait quoi? Chassé. Pas lié là. Ok. Donc, c'est là qu'on veut vous dire une chose là. L'homme existe, on dit 6000 ans. Est-ce que la terre existait il y a 6000 ans? La terre était déjà là. C'était quoi? Informe et vite simplement. Est-ce que... Donc, quand on dit Dieu créa là, quand il a créé la première terre là, quelque chose s'est passé. Vous comprenez? C'est pourquoi les scientifiques ont plus de foi que les chrétiens. Scientifiques ont plus de foi que les chrétiens. Dieu, c'est une récréation que Dieu est en train de faire. Maintenant, l'homme va venir sur la terre. L'homme est sur la terre il y a 6000 ans. Mais le monde que nous connaissons là, existe, il y a plus que ça. Frère, mais la terre était informe et vide. Hey, les ténèbres, la nature satanique contrôlait tout. Ça ressemble à ta vie. Mais si Dieu est à l'origine de la création, regarde ce que Dieu va faire. Réfléchis, frère. N'essaie pas de raisonner. Je te demande de réfléchir à ce que Dieu est en train de faire. Quelle était la foi de Dieu alors?
Est-ce que la foi de Dieu, c'est dans le verset 2? Dans le verset 2, face au prince des ténèbres, à l'esprit des ténèbres, verset un autre esprit va venir se placer. Regarde-le, c'est quel esprit? Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah. Donc, cet esprit des ténèbres là, quand Dieu voulait créer, refaire la terre, premièrement, face à l'esprit des ténèbres, l'esprit de Dieu est parti. C'est pourquoi dans ta vie, l'esprit de Dieu vient en premier lieu. Il vient préparer les choses. Pendant des années, l'esprit de Dieu t'a suivi. Quand ton cœur, il y a combien de gens qui devaient te convertir à 15 ans, ils n'ont pas été convertis parce que l'esprit de Dieu est venu en ce moment-là. Vous l'avez rejeté, vous n'avez pas voulu. L'esprit de Dieu se meut. Mais l'esprit de Dieu se meut, il ne peut pas agir. Parce que la foi de Dieu ne dépend pas du Saint-Esprit. Bien que l'Esprit Saint soit l'esprit de foi, il précède d'abord et il va sur la place. Il prépare et il se positionne.